Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter notre produit d'apprentissage 2. Les membres de l'équipe sont moi, Carolina Campos. Moi, Sol Manzano. Moi, Ana María Cortés. Et moi, Paulina Gallegos. Notre agence de voyage s'appelle EcoTravel. Alors, nous allons présenter notre spot publicitaire. Avez-vous déjà pensé au dommage qu'aller en vacances à la plage pouvait causer l'environnement? En utilisant un avion, une voiture, en allant dans un hôtel avec un buffet ou un groupe de nourriture et de respect, on pollue l'environnement. Souhaitez-vous passer des vacances confortables et mon sens sans ennuyer à l'environnement? C'est pourquoi nous vous invitons à choisir EcoTravel pour voyager. Lorsque vous irez avec nous, vous découvrirez la magnifique plage de Sayulita et tout ce qui l'entoure. Nous ferons des activités sans nuire à l'environnement, comme des promenades à vélo, observer la flore et la faune, des promenades en kayak et bien plus encore. Il y aura aussi des moments d'apprentissage, comme des ateliers sur le son des planètes et des temples pour ramasser les ordures sur la plage. Qu'attendez-vous pour vous inscrire? Nous vous attendons. Nous allons faire un voyage à la plage respectueux de l'environnement. L'objectif de ce voyage est de nous amuser en même temps sans affecter l'environnement en suivant les consignes de l'écotourisme pour prendre soin de la planète. Notre destination est Sayulita. Environ 80% des émissions de carbone dans l'environnement sont dues ou un moyen de transport. C'est pourquoi, pour ce voyage, nous en sommes conscients et nous utiliserons les moyens les moins nocifs pour l'environnement. Pour pouvoir nous déplacer, au lieu d'utiliser une voiture par famille, le transport sera un camion Senda, où toutes les personnes qui voyagent s'adaptent. Ceci afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone dans l'environnement. Car si on utilise une voiture par famille, nous allons polluer beaucoup plus. La plupart des visites de voyage se feront à pied pour éviter d'utiliser du carburant. De cette façon, nous ne polluerons pas l'environnement et nous ne serons pas assis tout le temps à l'intérieur d'un véhicule. Le prix pour ce voyage est de 500 par personne, 900 par deux personnes et 1600 si on voyage de 4 à 6 personnes. Le prix compte comme individuel s'il y a 3 personnes ou plus de 6. Les activités. Ramasser les ordures sur la plage, atelier d'éducation environnementale, en plein air, observer la faune et la flore de loin, kayak en mer parce qu'il ne pouvait pas, surfer, randonner à vélo, l'escalade. Les stratégies pour pratiquer l'écotourisme. Premier, le transport écologique. Nous évitons le contact avec les animaux. Nous ne visitons pas les parcs aquatiques avec les animaux. Pour créer une conscience, on se souvient toujours de l'objectif du voyage. Vous pouvez visiter et découvrir des endroits spectaculaires tout
en prenant soin de l'environnement. Et dans nos activités, vous trouvez du plaisir, mais aussi de la responsabilité envers l'environnement. Nous pouvons conclure que la planification d'un voyage écologique présente plusieurs avantages pour l'environnement et les animaux. Souvent, les humains font des voyages où nous ne réalisons pas que nous endommageons la planète et nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Faire un voyage éco-responsable est libre avec plusieurs avantages, comme il y a un impact minimal sur l'environnement, il sensibilise à prendre soin de l'environnement et profite aux communautés et aux habitats. Nous ne nuisons ni à l'environnement ni aux habitats qui se trouvent dans la zone. En plus d'avoir de nombreux avantages dans la communauté et l'environnement, il offre un engagement d'expériences positives aux personnes qui font le voyage, car ils vont s'amuser parce que ce sont des activités amusantes. De plus, dans ce voyage, vous pouvez rencontrer beaucoup de gens qui ont le même objectif que vous, qui sont de réaliser des activités pour sauver la planète. Quand nous aurons fini de planifier le voyage, nous invitons plus de monde. Et c'est tout.